Enfin, ils peuvent pas être si affreux que ça. Si ? Salut, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français et aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des méchants d'animés les plus diaboliques. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous passons en revue les antagonistes d'animés qui aiment un peu trop le mal. Vu que je vais expliquer en détail à quel point ils sont méchants, préparez-vous à avoir quelques spoilers. Allez, que le classement commence. Numéro 10, All for One, My Hero Academia. On ne devient pas le leader de l'alliance des super-vilains sans être impitoyable. Santé. Yaruka. Démuni d'empathie et souhaitant détruire son ennemi All Might à tout prix, All for One travaillait dans les coulisses en tant que cerveau du crime et cherchait à renverser la société qui voit les justiciers masqués comme des célébrités. Bien sûr, sa plus grande réussite dans le monde du mal est d'avoir poussé le symbole de la paix à partir en le poussant à bout après avoir réussi à prendre le petit-fils de son mentor pour le faire passer du côté obscur. Pas cool mec, pas cool du tout. Numéro 9, le président, la série Kaiji. Pervers n'est même pas assez fort comme mot. Apparemment, l'âge a rendu ce millionnaire acerbe, au point où la seule chose qui lui apporte du plaisir est de voir des âmes désespérées prêtes à tout pour de l'argent. Heureusement, il semble y avoir une réserve d'idiots inépuisables prêts à le divertir avec leur misère, y compris notre héros Kaiji. Qu'il se noie dans les dettes, meure, perde des membres ou se fasse littéralement laver le cerveau, le président s'amuse quoi qu'il arrive. Numéro 8, Don Quichotte do Flamingo, One Piece. On ne devrait pas être choqué d'apprendre qu'un célèbre pirate a fait des trucs un peu louches, mais Doflamingo va encore plus loin. On le plaint certainement lorsque l'on voit son enfance, vu que sa famille s'est presque faite lyncher, mais ses actes dans le royaume de Dressrosa sont plus que déplorables. Il se sert de son fruit du démon pour forcer le roi à attaquer ses propres citoyens, transforme ses ennemis en jouets conscients, sème le chaos et s'autoproclame héros, tout en servant de dealer sur le marché noir du Nouveau Monde. Non, y a pas à tortiller, Doflamingo est vraiment un salaud. Numéro 7, Junko Enoshima, Danganronpa, The Animation. Elle adore le désespoir. En tant que créatrice des jeux de massacre, on peut dire que Junko n'est pas totalement saine. Après tout, elle était heureuse d'accompagner un ours en peluche maléfique qui tentait de forcer des ados à s'entretuer en échange de leur liberté, et elle a même assassiné sa jumelle. Comme si ça ne suffisait pas, après avoir enfin été démasqué, Junko décide de tout lâcher et de s'exécuter de la manière la plus dingue possible. Ah, pourquoi il faut toujours qu'elles aient l'air adorables? Numéro 6, Griffith, la franchise Berserk. Autrefois leader charismatique et ambitieux d'un groupe de mercenaires, Griffith s'est retrouvé à enchaîner les mauvaises décisions au point où il était carrément devenu une espèce de loque muette. Lorsqu'il a vu ses rêves s'envoler, Griffith a eu l'opportunité de retrouver la gloire lorsque la main de Dieu lui a offert une chance de rejoindre les rangs démoniaques. Tout ce qu'il devait faire, c'était sacrifier son humanité
et tous ses camarades. Et comme si ça ne suffisait pas, après avoir pris l'identité de Femto, la première chose qu'il fait, c'est violer celle que Guts aime devant lui par pure malveillance. Rien que ça. Numéro 5, Einzelgarn Overlord. Bon allez, c'est plus la peine de le nier, ce personnage a totalement accepté son rôle de fantasme ultime du méchant, et ça serait un euphémisme de dire qu'il en profite. Ça a commencé avec un peu de tromperie par-ci par-là, puis il a décidé d'assumer qu'il pouvait totalement se donner dans la torture et le génocide. Il a tué des aventuriers malchanceux, soumis tout un royaume pour en faire sa salle de jeu personnelle, et massacré 70 000 soldats en un instant pour invoquer des démons en forme de chèvre lovecraftienne avec des tentacules. Désolé les gens, on dirait qu'Ainz a décidé d'écouter les lois démoniaques. Numéro 4, le Major Helsing Ultimate. D'accord, le fait que ce type soit un nazi de haut rang lui donne presque immédiatement le statut de méchant. Mais ce qui sépare le Major des soldats classiques du Troisième Reich, c'est son amour de la guerre. Non, correction, sa passion dévorante pour la guerre. Au point où le seul but de sa vie est désormais de créer le plus grand conflit de l'histoire, même si ça signifie qu'il doit mourir au passage. On pourrait penser qu'un individu aussi perturbé n'aurait pas beaucoup de partisans, mais ça, c'était avant d'entendre ses discours emblématiques. Vous sentirez une partie de votre âme mourir, mais vous l'écouterez quand même. Numéro 3, Dio Brando, Jojo's Bizarre Adventure. Vous pensiez à quelqu'un d'autre, mais pourtant c'est lui qu'on a choisi, Dio. Dès le moment où ce type est arrivé, il a saisi l'opportunité de montrer à quel point il était méchant. Il a presque volé la fortune de Joestar, a sexuellement agressé la copine de Jonathan, s'est transformé en vampire, a tué des centaines d'innocents, dont Jonathan, et la liste continue. Et tout ça avant d'obtenir un stand, de revenir à la vie et de lancer un tout nouveau cycle de violence un siècle plus tard. Tenter d'innocenter Dio est vraiment mouda mouda mouda. Dio. Numéro 2, Père, Full Metal Alchemist Brotherhood. Même quand il n'était qu'un nain dans une fiole, cet être insidieux a tout de même trouvé le moyen d'éliminer une civilisation. À la recherche d'immortalité, ce qui sera ensuite connu comme le père des homonculus est capable de sacrifier autant de vie qu'il le faut pour être la création ultime. Il a peut-être manifesté chacun de ses péchés pour tenter de rester pur, mais au final, Père reste acerbe et égoïste et finit par semer un chaos sans nom dans le monde entier pour satisfaire ses propres envies. Numéro 1, Freezer, la franchise Dragon Ball. Quand on peut mesurer la quantité de morts via le nombre de planètes détruites, c'est que les records sont battus. Bien avant qu'il ne représente l'univers 7 dans le tournoi du pouvoir, ce tyran extraterrestre cherchait surtout à trouver l'immortalité et assujettissait des espèces en éliminant tous ceux qui osaient se dresser face à lui. Il a détruit la grande majorité de la race des Saiyans
a assassiné les Namek et il a tué un nombre incroyable d'alliés de Son Goku. DBZ a vu naître de très nombreux méchants, mais aucun n'égale ce gouverneur du cosmos autoproclamé. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.